trois ans après l'avènement de la démocratie à Haïti. C'est ainsi que le pays en a célébré l'anniversaire. Pas de fête, mais de gigantesques manifestations à Port-au-Prince. Économie en berne, accusations de corruption. Depuis des mois, l'opposition emmenée par Moïse Jean-Charles demande la démission du président Jovenel Moïse. Le peuple n'en peut plus, le président ne nous comprend pas. Il y a l'inflation, le prix du dollar, on ne peut pas rester dans cette situation. On ne va rien lâcher, il va y avoir une révolution dans ce pays. Derrière la crise politique, une autre crise économique. À Haïti, la vie est de plus en plus chère, l'inflation a grimpé en flèche en décembre. En début de semaine, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence économique. Une mesure qui n'a pas éteint la colère des manifestants. Depuis que le président est arrivé au pouvoir, il n'a fait que mentir au peuple. Il n'a jamais rien dit d'honnête. Il a détruit la production nationale et aujourd'hui, nous n'avons plus rien. Pour le président Moïse, hors de question de démissionner. L'opposition a donc prévenu, si le président ne quitte pas le pouvoir, elle désignera un président par intérim dans les prochains jours.